bienvenue dans ce Jankevitch Show. Et ouais, c'est bientôt la rentrée, mais c'est pas vraiment encore la rentrée. Et donc on vous fait une petite mise en bouche, un petit Jankevitch Show. Je vais vous présenter les candidats. Il y a des nouveaux, il y a des anciens, il y a un mélange de tout. C'est parti. Ici nous avons Daphné la Loutre. Elle est toute nouvelle, elle a une masque de chat. Et elle a perdu sa langue. Bonjour Daphné, bienvenue à toi. Juste à côté, nous avons Jimmy Rico, l'homme qui campait plus vite que tout le monde. Nous avons Destin Fire, le grand Destin Fire, avec son bonnet d'âne. Non, pas parce que... il est... je sais pas quoi, mais voilà, vous savez pourquoi. Ouais, ok. Ça va Destin Fire, tout va bien? Tout va bien, tout va bien. Ouais, on dirait pas, mais bon. Juste à côté, nous voilà. Lily Gameuse qui a un goût prononcé pour tout ce qui est fluo, hein, nous voyons ici que, oui, c'est très très swag, bienvenue Lily Gameuse. Juste à côté, nous avons Wazakrisox, wesh, c'est si frère, tu veux checker Jean-Kevin ou quoi? Non, c'est bon. Non, tu checkes pas Jean-Kevin, non, bah, va te faire voir. Ah, ok, d'accord, il dit bonjour comme ça. Bonjour Waza. Et juste à côté, nous avons le Dark... de Dark Raziel qui nous fait peur. What the fuck, mon gars? Mais t'es possédé ou quoi? T'es chaud ou quoi, avant ce soir? T'es chaud? Bon, bah c'est pas grave, Dark Raziel. Là, tu te prends une petite patate dans ta gueule pour non-respect des règles. Tiens, pour ça. Ok, bon. Veuillez écouter les règles parce que je l'ai dit une fois pour les viewers et une fois pour les candidats. Donc, en gros, on va faire un chat percé un peu spécial. Ok? Donc, je vais dire top. Quand je vais dire top, vous devez tous être perchés, d'accord? Donc vous perchez, par exemple, voilà, bougez pas, moi je vous montre. Top, voilà, hop, je me perche là, voilà, là je suis perché, d'accord? Voilà, quand je redis top, vous êtes obligé de changer de... vous êtes obligé de changer de perchoir, d'accord? Donc vous pouvez pas rester là, vous pouvez pas faire ça et revenir là non plus, hein. Vous êtes obligé de changer, de descendre et de courir, d'aller par exemple là. Et moi j'aurai mon club de golf. D'accord? Et ben moi je vais vous courir après et je vais taper ceux qui n'arriveront pas à se percher à temps. Il faut savoir aussi que à la fin du Jankevitch Show, on aura une petite punition spéciale qui se passera dans ce garage. À l'abri de regard, car ce sera violent. Est-ce que vous êtes chaud? Ouais, question à Dieu. Oui. Peut-on se percher à plusieurs sur une seule et même voiture? Interdiction formelle de se percher à plusieurs. Il n'y a pas que des voitures. Ok, à mon top, il faut aller se percher les gars. Ok, 3, 2, 1, top, c'est parti. C'est parti, faut aller se percher là. Oh là là, nous avons déjà un candidat qui... oh, Waza qui a difficulté. Oh, tout un Waza qui est éliminé. 3, 2, 1, top, c'est parti, faut changer. Allez, faut changer. What the fuck, qu'est-ce qu'il fait? Ok, 3, 2, 1, top. Ok, ils se foutent de ma poire. Ok, Dark Rachel, reviens là. On va délimiter la zone de jeu à la voiture rouge, hein. J'ai oublié de le dire, pardon. D'accord. Top. Top, j'ai dit, top. Pouf, ça, oh, bah il est tombé. Quand t'es tombé, t'as droit. Oh, monsieur l'arbitre, réclamation, il m'a tapé, j'étais perché. Non, la poubelle a bougé, tu es tombé. C'est la maladresse de Destin Fire, hein. C'est pas pour rien que t'as un bonnet d'âne. Bon, bref, c'est prêt. 3, 2, 1, stop, c'est parti. Tout le monde est perché. Qui c'est qui est là-bas, là? Toi, j'ai dit que la limite, c'était la voiture rouge, alors descends, toi. Ah, bon, désolé, j'avais pas entendu. Voilà, t'es éliminé. Oh, c'est radical. Éliminé. Non respect des règles. Jimmy, il a pris du café, mais les infos ne montent quand même pas au cerveau, hein. C'est quoi ce délire? Dans les éliminés, nous avons Destin Fire, nous avons Waza, nous avons Jimmy Lee, qui est toujours en train de se foutre de ma poire. Va avec les autres, Jimmy Lee. Tu connais pas les règles ou quoi? On dirait que tu découvres le Jankevitch Show. Attendez, je vais resserrer la zone. Vous voyez la zone des 4 voitures là? On resserre la zone, hein. Le carré là, avec les 4 voitures comme ça. Vous voyez? 3, 2, 1, top, c'est parti! Euh. 3, 2, 1,
Hop, 3, 2, 1, c'est parti. Oui, top. Mais non, c'est quoi ce délire? 3, 2, 1, sors pas de la zone, toi. Prends ma pompe. Éliminé, Dark Razel. Et c'est la finale entre l'outre et Lily Gameuse. Je sors de lance-roquette, d'accord? 3, 2, 1, top. 3, 2, 1, top, c'est parti. Ok, bon, tout le monde aura sa punition. Les candidats, je vous retrouve pour la punition, hein. Ok, bon, je vais appeler les candidats un par un, donc tous les perdants. D'accord? Bah, le premier candidat, ce sera Arnaud, tu vas venir dans la boîte, viens. Arnaud. Oh là là, le 18 âge. Death in Fire? Oui? Tu as une chance de t'échapper, hein. Allez, allez, Death in Fire, c'est parti, t'as une chance, hein. Vas-y. Il est mauvais, hein. Ah, je me fais attaquer par des... cacahuète. Merci les candidats de m'avoir défendu. Prochain candidat, ça sera qui? Allez, on va dire Jimmy Lee parce qu'il respecte pas les règles. Jimmy Lee, tu rentres dans la boîte, hein. Tu auras une chance de t'échapper comme tout le monde, hein. D'accord? D'accord. Oh non, mince, je vais mourir. Non. Pourtant, je me reste là-bas par terre. Ok. Faut fermer. Non, qui c'est qui a lancé? Dark Razel, vas-y avec lui, Dark Razel, vas-y avec lui. Dépêche-toi. Oh là, bon, allez hop. Allez, c'est bon, quoi, c'est bon, on a compris. Y'a pas de level ici, y'a pas de level. J'ai même pas le temps de faire quelque chose. Ok, les quatre prochains. Allez, tout le monde rentre dans le garage, dépêchez-vous. Ok, bon, vous savez quoi, finalement, je vais vous laisser une chance. Je vais laisser une chance à un gars, à une personne ici, de s'en sortir avec un minimum d'honneur, hein, d'accord, et de fierté, ok? Ça, c'est pour toi, Jimmy, hein. T'as une chance de te rattraper ce que tu viens de faire, hein. Ça va être une baston à main nue entre vous. Celui qui meurt pas, il aura pas de punition. Quand j'ai dit top, vous vous tapez. Le dernier à survivre, c'est le grand gagnant. Top, c'est parti. Allez, on se tape, allez, qui va gagner? Oh là 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 là, Jimmy. Oh, Jimmy Lee qui fait un triple kill. Oh là là, attention, c'est quoi cette baston? What the fuck? Oh, le présentateur qui se fait frapper, monsieur. Oh là là, baston contre Arnaud. Ah, Death in Fire, mais j'ai dit qu'il fallait pas sortir, mais qu'est-ce qu'ils font? C'est Arnaud qui a gagné. Oh, GG. Bon, tous les autres vont revenir dans le garage, alors, hein. Arnaud prend des photos, tiens. Quand ils sont en position fétale. Ok, maintenant vous allez mourir. Non, descendez de votre petite marche là. Y a pas marqué Kikou. Descendez de votre petite marche. Les mauvais, on les traite comme des mauvais ici. C'est parti. Quoi? C'est quoi ce délire? Ils essaient de s'échapper. Mais non, faut intérieur, tiens, pour ça. Voilà, les mauvais, les Kikou. Tiens. Oh là là, Jimmy Lee qui meurt comme une chaussette accompagnée de Dark Razel. Oh là là, y'a plus de level. Oh là là, les positions fétales. Oh mon dieu. Oh là là, what the fuck, what the Jimmy Lee qui... Ah, ils sont tous morts comme des chaussettes. Bon ben voilà, le grand gagnant du jeu Kevin Show. Bah, c'est personne, c'est moi parce que je suis beau, je suis intelligent et moi je me suis pas fait troller comme un Kikoula. Ok, j'espère que ça vous a plu cette vidéo, les potes. À bientôt. Moi j'ai trop aimé cette vidéo, et toi? Ah bah si t'as aimé cette vidéo, il faut que tu lâches un like, donc faut que t'appuies sur le petit pouce qui est levé en dessous de la vidéo. Merci, potos.